bah, s'il tente rien, il n'aura jamais rien. Donc, c'est exactement ça. Si tu veux gagner quelque chose, il faut forcément prendre des risques. Donc voilà, comme j'ai dit, Dieu t'envoie les choses de base et après c'est à toi de décider comment tu vas les utiliser. Donc toi, des fois on entend des gens, regarde, moi je galère pour avoir un stage, je trouve pas mon mazal, tout ça, mais non, c'est-à-dire, voilà, je me suis mal exprimé. Quelqu'un qui va dire, j'arrive pas à monter les échelons dans ma société, j'arrive pas à ce que mon salaire dépasse les 15 000 shekels. L'autre, il a une belle voiture et moi, j'ai pas de belle voiture. L'autre, il est déjà marié et moi, je suis pas encore marié. Donc voilà. Donc en gros, toi, tu te plains de ce que t'as. Mais avant de te plaindre, mais au lieu de te plaindre de ce que t'as, enfin, de ce que t'as pas, du coup, au lieu de te plaindre de ce que t'as pas, tu dis, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, tu gaspilles une énergie énorme à te plaindre de ce que t'as pas. Mais au lieu de ça, fais du mieux que tu peux avec ce que t'as. Parce que de toute façon, c'est ce que Dieu a décidé que tu auras. Donc tu peux te plaindre autant que tu veux, c'est Dieu qui a décidé que tu auras ça. Donc ça, tu peux te plaindre autant que tu veux, ça va rien changer. Donc au lieu de te plaindre de ce que t'as pas fait, de ton mieux avec ce que tu as, avec ce que Dieu t'a donné, tu peux faire des choses énormes. Si Dieu t'a envoyé ça, c'est que c'est exactement ce qu'il te fallait. Donc c'est un petit peu ça. Mais maintenant l'homme est paresseux. Le mot Adam en hébreu, Adam, ça vient de Adama, de la terre, vu que l'homme vient de la terre. La terre, c'est quelque chose qui est statique, qui ne cherche pas à bouger. L'homme vient de la terre, donc l'homme aussi cherche à bouger le moins possible, à être le plus statique possible. L'homme est un glandeur, d'accord? Donc, c'est par peur et par paresse que l'homme ne va pas, allez, je vais prendre ce que j'ai et je vais donner de mon mieux, je vais essayer de travailler. Maintenant, pour revenir à ce qu'on a dit, que il y a écrit, qu'est-ce que Dieu attend de toi, si ce n'est d'avoir la crainte, comme si la crainte c'était quelque chose d'assez petit. Est-ce que la crainte c'est quelque chose d'assez petit? Qui peut dire réellement dans notre génération, j'ai la crainte de Dieu à 100%? Personne. Et vraiment, est-ce que ça veut dire que la seule chose que Dieu il attend de toi, c'est d'avoir la crainte? Ça veut dire, Dieu il attend qu'une chose? Enfin, je pensais qu'il y avait toute une Torah, 613 mitzvot et les gemarot et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? La seule chose qu'il attend de toi, c'est la crainte. Mais en fait, il faut essayer de sans doute de tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc Dieu, en vrai, il pourrait ne rien attendre de toi. Donc le fait que même que Dieu attende de toi, c'est juste parce que Dieu a décidé d'attendre de toi quelque chose. Donc déjà, pour remettre ça en place par rapport à qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et donc on voit que c'est Moshe qui a dit sur la passage au Béni Israël, qu'est-ce que Dieu attend de toi, si ce n'est d'avoir la crainte. On pourrait dire une première réponse comme ça, bon bah pour Moshe Rabbeinu, le plus grand homme de toute l'histoire, avoir la crainte de Dieu, pour lui c'est petit, c'était le plus grand homme de toute l'histoire et c'est sûr qu'il avait la crainte à 2000%. Donc on voit que pour Moshe c'est assez petit, mais le Maharal de Prague il relance la question, donc, et il te dit, mais d'accord pour Moshe c'est petit, mais à qui il a dit cette phrase? Il a dit au peuple juif, sinon s'il avait dit cette phrase juste à lui-même, genre une pensée, ah tiens c'est facile d'avoir la crainte de Dieu. D'accord, on aurait compris si c'était entre lui et lui-même. Mais là, il s'adresse à tout le peuple juif. Pour tout le reste du peuple juif, c'est pas aussi simple d'avoir la crainte de Dieu. Donc pourquoi il nous parle comme ça? On va prendre l'exemple, c'est un exemple du coup que le Rav Ben Chetrit il ramène, comme j'ai dit au début du cours, je m'inspire de quelques petits trucs qu'il a dit pendant mon cours. Et il te ramène cet exemple-là que je trouve qu'il explique super bien les choses. Un gars qui fait un diplôme de médecine. Au début des 6 ans de médecine, le gars, tu lui montres tous les livres qu'il va devoir apprendre pendant tous 6 ans de médecine, toutes les connaissances, tous les trucs qu'il va devoir acquérir, le gars, il s'évanouit. Il te dit, ah, c'est impossible, cette montagne de livres que je vais devoir faire, tous les devoirs que je vais devoir rendre en 6 ans, c'est impossible d'acquérir autant de connaissances. Alors qu'une fois qu'il aura fini son diplôme de médecine, bah, tu vois, les médecins, ils retrouvent leur livre avec les choses qu'ils ont surlignées, tout ça. Ils disent, ah, c'était une période où on a pas mal bossé. Franchement, bon, c'était une période, voilà, assez dure, on a pas mal bossé, mais voilà, on a réussi, on l'a fait. C'est exactement ça, c'est que c'est étalé sur le temps. C'est parce que c'est étalé sur le temps que, voilà, c'est pas, tu vas lui montrer au gars qui rentre en médecine le premier jour tous les livres qu'il doit apprendre et ça y est, il va devenir médecin. Non, tu lui étales sur le temps. C'est pour ça qu'il y a 6 ans de diplôme de médecine, parce que tu as tellement de connaissances à apprendre. Et donc voilà, c'est exactement ça, c'est étalé sur le temps, étape par étape. Étape par étape, que ce soit dans toutes les choses de la vie,
Donc, si tu cherches ton mazal étape par étape, déjà, sois sûr de ce que tu as de toi, enfin, sois sûr de qui tu es, ensuite, sois sûr de ce que tu cherches. Ensuite, tu vas commencer par faire des petits chidourkhim, chercher une fille de ça. Dans quelqu'un, voilà, un couple qui essaye de construire une relation étape par étape. D'abord, ils vont essayer de se connaître, de voir quelle est la vision de l'autre sur l'éducation des enfants, tout ça, le fiançailles, le mariage, tout ça. Donc, on voit que tout ça, ça se fait par étapes. Si chaque chose qu'on devait faire, on voyait tout ce qui nous restait à faire, dès l'instant où on commence à la faire, on ne ferait rien. Donc c'est pareil pour la crainte de Dieu, c'est étape par étape. C'est pour ça que, enfin, c'est que quand tu auras tout terminé, que tu vas regarder derrière tout ce que tu as fait, et tu vas dire, bon, bah, en fait, c'était petit, en fait, maintenant que j'ai. Et c'est exactement ça. Nous, quand on nous parle de la crainte de Dieu, bah, on voit tout ce qui nous reste à faire, c'est pour ça qu'on est. C'est beaucoup, comment on va faire tout ça? Mais pour Moshe, de l'endroit où il se trouve, lui, il a déjà la crainte depuis longtemps, il se retourne, il fait bon, bah, c'était sympa, quoi, tout ce boulot-là pour lui, c'est petit maintenant. Donc voilà, la crainte de Dieu même, ça vient étape par étape, comme tout. Et on voit qu'il y a trois craintes qui sont dites dans le Talmud. On différencie trois niveaux de crainte dans la crainte de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la première crainte avec Yirat Haonesh, la crainte de la punition. Comme un. Voilà, quelqu'un qui fait une bêtise, il a peur de. Enfin, un enfant qui fait une bêtise, il a peur d'être grondé par son père, de recevoir une vitre et voilà, c'est la crainte de la punition. Tu fais pas quelque chose parce que j'ai peur de la punition qu'il y aura après. Ça, c'est le plus bas niveau de la crainte de Dieu. Que tu vas faire quelque chose, oh, on m'a parlé du Guéhinnom, ça brûle là-bas, parce qu'il paraît, il fait super chaud et tout ça. Vas-y, je vais essayer de faire Shabbat et tout ça. Ça, c'est là. C'est une bonne chose déjà, parce que c'est une forme de crainte de Dieu. Donc, c'est une bonne chose, je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est le niveau le plus bas de la crainte de Dieu. Niveau au-dessus, ce qu'on appelle Yirat Hachet, la peur de la faute. Ça, on va dire que c'est plus quelqu'un, bah, il va vouloir ne pas tacher la feuille blanche, entre guillemets. Il sait que en ce moment, enfin, il sait qu'il arrive bien à faire Shabbat depuis quelques temps, ou même depuis toujours. Il arrive bien à faire Shabbat, il ne transgresse pas le Shabbat, tout ça. Il va pas allumer une lumière, enfin, même si la lumière des toilettes, elle s'éteint pendant Shabbat, il va pas aller l'allumer. Non, parce qu'il dit, oh, je fais tout Shabbat pour aller faire un pipi une fois, je n'ai pas allumé une lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle Iratachet. Pour ne pas, entre guillemets, pour refaire les choses bien. Ça va être la crainte pour faire les choses bien. Et la troisième niveau qui est le plus dur à comprendre, et je pense pas que nous on l'a, je pense que nous on est à peu près tous dans le deuxième niveau, Yirat Hachet. Le troisième niveau c'est Yirat HaRoméhout, la peur qu'on pourrait traduire Roméhout de l'élévation. C'est quoi la peur de l'élévation? C'est quelqu'un qui sait le niveau qu'il a, il sait ce qu'il a, et il ne veut pas le perdre. Par exemple, quelqu'un qui est hyper heureux dans son mariage. Il sait qu'il a une femme, ma femme c'est la plus tsadekette et tout ça. En plus elle est hyper belle, et elle éduque bien nos enfants, elle a de la patience et elle m'aime et tout ça. Vraiment le gars, et il y a peu de gars aujourd'hui qui se rendent compte réellement de ça à 100%, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'adultères et de divorces, le gars qui se rend vraiment compte de ça à 100%. Quand il y a sa secrétaire ou une autre femme qui va essayer de. Qui va même se donner à lui, tiens vas-y, faute avec moi, elle va se donner à lui. Le gars il va pas fauter, pourquoi? Parce qu'il va se dire. Regarde ce que j'ai à la maison, j'ai pas envie de perdre ça. Ça s'appelle la crainte par la peur de l'élévation, entre guillemets, de descendre du coup de son élévation. Et c'est exactement pareil pour Dieu. Il y en a qui vont avoir la crainte de Dieu parce qu'ils vont dire, voilà, on a entendu parler le Guéhinnom et tout ça, c'est pas ouf et tout, on n'a pas trop envie d'y aller. Il y en a qui vont avoir la crainte de Dieu parce que, bon, bah, je fais les choses bien, pourquoi je vais faire cette petite tâche-là sur la feuille blanche? Et il y en a qui, voilà, parce qu'ils savent ce qu'ils ont, ils savent. Moi, je sais qu'en ce moment, Baruch HaShem, j'étudie beaucoup en Torah, j'ai réussi à construire un foyer juif, j'ai réussi voilà, avoir vraiment une vie de Torah, à ce que ma vie soit réglée selon la Torah, le matin, l'après-midi, le soir, je fais la prière et tout ça, j'ai un moment d'étude, donc pourquoi je vais venir à gâcher tout ça? Donc voilà, ça c'est les trois niveaux de crainte de Dieu. On va dire que le premier niveau, ça va être quelque chose qui est assez infantile. Mais voilà, comme on a dit, un enfant qui a peur de se prendre un coup. Voilà. Deuxième niveau, ça va être une bonne chose. Ça va être pour pas casser le processus. Quelqu'un qui est dans un processus de faire les mitzvot et tout ça, il va pas vouloir casser ce processus-là. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais le troisième chose, ça va être vraiment de ne pas décevoir Dieu, entre guillemets. Ça, c'est un niveau que peu de gens ont dans notre génération. Quelqu'un qui va être tellement proche de Dieu, comme si c'était sa femme, entre guillemets, ou son prochain, et qui va, voilà, il va dire, j'ai pas envie de décevoir mon Père au ciel, j'ai pas envie de décevoir Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau. Et si une des bonnes choses, c'est que il faut
avoir quelque chose à perdre pour ne pas, enfin, pour avoir peur de le perdre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à perdre. Quelqu'un qui sait, voilà, je reprends l'exemple. Quelqu'un qui est chez lui et que sa femme, ça va pas toute la journée, il se crie dessus et qu'ils ont plus de relations ensemble depuis beaucoup de temps et qu'il se passe plus de moments ensemble, que sa femme elle a accouché, elle a eu 3 gosses et qu'il la trouve plus à son goût. Le gars, il sait qu'il a... là, ce gars-là, pour lui, il a rien à perdre dans son couple. Donc quand sa secrétaire elle va venir s'offrir à lui, bah, il va même pas réfléchir, il va aller faire la faute. Alors que quelqu'un qui a quelque chose à perdre, qui sait qu'il a une femme extraordinaire, alors il va pas en venir à faire la faute. Ou en tout cas, il va réfléchir beaucoup plus avant. Donc on voit qu'il faut avoir quelque chose à perdre pour avoir peur de le perdre. Quelqu'un va dire, voilà, je vais pas me salir. Donc quand toi tu vas vraiment te renforcer dans la pratique de la Torah et des mitzvot et que tu vas venir à t'élever, tu vas venir vraiment à t'élever, tu vas sentir que tu t'élèves depuis que tu pratiques de plus en plus de les mitzvot et que tu étudies de plus en plus de Torah, bah tu vas pas avoir envie de te salir entre guillemets. Tu vas dire, regarde, au niveau où j'en suis, pourquoi je vais venir faire cette petite avéra là? Parce que j'avais eu une image pas très truc et ça a éveillé en moi des désirs. Donc tu vas pas vouloir envie de te salir. Et c'est exactement ça. Les 3 étapes, il faut passer par les 3 étapes. Comme tout dans la Torah, c'est par étapes. Au début, quand tu vas commencer à te rapprocher de Dieu, pour ceux qui vont faire tchouva, des fois ça va être une tchouva par crainte. Au début, quand tu vas pratiquer, voilà, c'est pour ça que quand on est enfant, en général, surtout dans les écoles en France, on t'enseigne. Il faut faire Shabbat, sinon Dieu il va pas être content de toi. Ça, voilà. Au début, on enseigne à un petit enfant la crainte par peur de la punition. Yirat HaOnesh. Ensuite, une fois que tu vas devenir un petit peu plus mature, à l'âge quelqu'un qui est un jeune adulte, entre guillemets, il va faire ça. Il sait, voilà, franchement, ça va, j'arrive à me créer petit à petit une petite vie de Torah et tout ça. J'ai pas envie, donc ça va être Yirat HaChet, j'ai pas envie de salir la feuille, entre guillemets. Enfin, de casser ce processus-là dans lequel je suis. Quelqu'un qui va déjà être âgé et que toute sa vie il a travaillé dans la Torah et les Mitzvot, il a vraiment atteint un niveau et toute sa vie il a passé une vie de sainteté, tout ça. Alors là, ça fait le troisième niveau, il va avoir la Yirat HaRoMeMut. Il va avoir, regarde, tout ce que j'ai fait pendant ma vie, je vais pas tout gâcher à cause de quelques secondes, quelques instants de plaisir pour satisfaire mes pulsions. Donc c'est ça, il faut passer par les 3 étapes. C'est nécessaire de passer par les 3 étapes pour arriver à la vraie crainte de Dieu. Et pareil dans un mariage. Au début, un partenaire va craindre l'autre, entre guillemets, comme on a dit par rapport au respect. Au début, ça va être par peur de la punition, par peur que l'autre elle le quitte. Quand c'est au tout début, le gars il va pas les voir ailleurs quand c'est au tout début, parce qu'il va dire, attends, là ça commence tout neuf, s'il commence à aller parler avec d'autres filles, tout ça y est, ça va être fini. Une fois qu'ils vont être fiancés, il va dire, regarde, c'est tout beau, on est fiancés, on a déjà prévu la salle de mariage et tout ça, je vais pas faire de bêtises, je vais garder ce bon mood dans lequel on est là et tout ça. Après le mariage, après quelques années de mariage, ça va être vraiment, s'il se rend compte qu'il a vraiment travaillé et que lui et sa femme ont vraiment travaillé, il va se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir une femme comme ça. Et là, ça va être la crainte pour ne pas décevoir sa femme. On voit que c'est vraiment 3 étapes qu'il faut passer par là. Et voilà, tu peux. Il faut faire de la place, comme j'avais dit dans le cours sur l'orgueil et dans notre cours aussi, il faut faire de la place à Dieu. Il faut faire de la place à Dieu. C'est uniquement ça, la crainte de Dieu, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi. Pourquoi les garçons mettent la kippa? C'est parce que pour sentir, enfin en tout cas une des raisons, pour sentir qu'il y a toujours quelque chose au-dessus de toi. C'est exactement ça, il faut faire de la place à Dieu, savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de toi. Maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, mais l'homme aussi, je pense qu'il a un rôle important dans le monde. C'est vrai, l'homme aussi, c'est la créature terrestre, on va dire, la plus élevée. C'est pas pour rien, l'homme a un grand travail dans le monde, encore plus le peuple juif. Donc, il faut faire de la place, mais sans s'oublier. Je dis pas qu'il faut s'oublier que l'homme n'est rien, non. Faire de la place, mais sans s'oublier. Tout simplement comprendre qu'il est là. La crainte de Dieu, c'est comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de toi. C'est tout. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est qu'il n'est pas sûr à 100% en lui qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc voilà, tout simplement comprendre, enfin, comprendre qu'il est là et qu'il est au-dessus. Et y en a, ils vont te dire, ouais, moi je vais aller me rendre compte de la puissance de Dieu, je vais faire un tour du monde, je vais aller voir les merveilles, les montagnes enneigées, tous les animaux sauvages, la puissance des torrents, des mers, tout ça. C'est comme ça que je vais trouver la grandeur de Dieu. Ça peut être un bon moyen, la vérité, je dis pas le contraire, mais tu as des choses beaucoup, beaucoup plus simples et beaucoup moins chères, quoi. Tu as les mitzvot. Les mitzvot, c'est exactement ça. Comme on a dit au début du cours, la crainte et l'amour de Dieu, c'est l'objectif, les mitzvot, c'est le moyen. Donc, pour te rendre compte pour arriver à ce but-là, qui est la crainte et l'amour de Dieu, bah, tu as les mitzvot. Tout simplement, toutes les mitzvot ont été données uniquement pour que Dieu arrive à ça.
enfin pour que l'homme arrive à ça. Que quand l'homme va vouloir manger un bon truc, il va se souvenir du commandement négatif de la Torah, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça, et là il va dire, ah, j'ai pas le droit de manger ça. Au ce moment-là où il va s'empêcher de manger ça, il va reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, c'est comme ça qu'il va atteindre la crainte de Dieu. Voilà, pas besoin d'aller chercher, d'aller regarder le monde et tout ça, mais tout simplement, les mitzvot. Les mitzvot. On voit qu'il y a beaucoup de philosophies qui sont apparues dans le monde et elles sont toutes parties les unes après les autres, hein, que ce soit dans les années 70, les hippies, que ce soit même sur un plan politique, le communisme, l'URSS, elle est tombée, il y a quelques partis communistes dans chaque pays, il y a quelques grands États où il y a un dictateur à leur tête qui sont communistes. Toutes les façons de penser que l'homme a voulu trouver de lui-même, entre guillemets, hein, on a trouvé une idée qui va faire de l'homme un homme meilleur. Tous les philosophes dans la Grèce antique et tout ça, ça n'a pas beaucoup duré et ça n'a pas sorti des grands tzadikim, des personnes hyper saines non plus. Donc voilà, la seule chose qui marche depuis toujours et qui sort vraiment des personnes bonnes, c'est la Torah. C'est la seule chose. La halakha, donc les lois, on appelle ça la halakha. Ça vient du verbe l'aleret en hébreu. Allez, la halakha, c'est le chemin, entre guillemets, c'est le chemin qui va te permettre d'arriver. Donc pas que c'est le. Que toute la halakha, toutes les lois et tout ça. C'est le moyen qui va te permettre d'arriver au but qui est la crainte de Dieu. C'est le moyen qui va te permettre d'atteindre l'infini. Parce que un homme, il est fini. Comment il va pouvoir atteindre l'infini, enfin, atteindre l'infini, parce que c'est ce à quoi l'homme aspire, enfin, il ne pourra pas atteindre l'infini en faisant des choses finies, c'est-à-dire en prenant des façons de penser que l'homme a inventées de lui-même. Non, la seule chose qui permet d'atteindre l'infini, c'est de faire des choses qui relèvent de l'infini, donc la mitzvot et tout ça. Chaque mitzvah, il y a des raisons profondes, incroyables. Donc c'est la seule chose qui permet d'atteindre l'infini, c'est la crainte de Dieu et de se soumettre à lui et de faire les mitzvot et la Torah. Mais il y en a, ils vont dire oui, mais c'est une contrainte. Moi, j'aime pas la contrainte, tout ça. L'homme n'aime pas la contrainte. J'aime pas ce qu'on me donne des ordres et pourquoi moi j'ai rien choisi, pourquoi je suis né juif, ou alors même tous les hommes, pourquoi moi je dois me comporter comme ça, parce que c'est la morale humaine de se comporter comme ça. Non. En fait, on te demande pas ton avis. C'est-à-dire, quand tu sors du ventre de ta mère, tu dis pas à ta mère, ah, pourquoi je suis sorti du ventre de telle mère. Non. T'es sorti du ventre de ta mère, on t'a pas demandé ton avis. C'est qu'après que t'as grandi et que ta conscience elle s'est formée, c'est tout. Sans ça, t'aurais même pas été là. Donc si elle était là, c'est parce que Dieu a bien voulu te créer, c'est tout. Donc tu peux pas dire oui, mais moi je veux pas, j'ai jamais voulu être dans cette contrainte-là. Oui, mais le fait même que t'existes, c'est parce que Dieu t'a créé. Donc tu ne peux pas exister si tu ne fais pas, enfin tu ne peux pas exister réellement si tu fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire et ce pourquoi il t'a créé. Et c'est pour ça qu'il faut une référence. Tu peux pas chercher tout seul, comme il y en a qui essayent. Je vais me créer ma propre philosophie, ma propre morale. Tu peux pas, il te faut une référence. La référence, c'est la Torah, c'est le cadre qui va te permettre d'atteindre l'infini. C'est ça la crainte de Dieu. C'est te réaliser toi-même. La Torah, on voit que c'est à la fois un but et un moyen. La Torah, ça va être le but parce que, voilà, la Torah, c'est le monde a été créé à partir de la Torah et c'est ça qui va révéler pleinement l'homme. Donc la Torah est un but, mais c'est aussi un moyen parce que c'est par la Torah que tu vas atteindre ce but-là. C'est en pratiquant les mitzvot que tu vas atteindre ce but-là. Donc, on voit que la Torah. Et la crainte de Dieu, c'est à la fois un moyen et un. C'est à la fois et le moyen et le but. Il y a une histoire dans le Talmud, je ne me rappelle plus dans quelle Gemara la vérité, qui dit que Rabbi Yochanan, juste avant sa mort, ses élèves viennent lui demander, Rab, avant de nous quitter, donnez-nous un conseil, comment on peut atteindre la crainte de Dieu. Rabbi Yochanan, il va répondre une phrase qui est assez bizarre, il va te dire, il faut que la crainte. Il faut que votre crainte que vous avez du ciel, ça soit exact, elle soit comme la crainte que vous avez des hommes. Alors, on peut se dire, peut-être qu'il était avant de mourir, Rabbi Yochanan, il n'y avait plus l'esprit très clair, c'est-à-dire que je dois craindre Dieu comme je crains les hommes. Après, bah, ça nous paraît grossier, ça nous paraît faux. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui va faire quelque chose de mal, quelque chose qui sait que toute la société le réprouve. Quelqu'un qui va commettre un vol, il va pas le faire en plein jour, il va pas le faire devant tout le monde, il va se cacher pour le faire. Quelqu'un même qui va tromper sa femme, il va pas le faire au grand jour, non, il va aller se cacher. Quelqu'un qui va, voilà, les gens qui regardent, qui vont sur des sites pas très cachers sur leur téléphone chez eux, ils vont pas faire ça en public, ils vont faire ça chez eux, dans leur chambre. C'est exactement ça. L'homme, il a peur de fauter devant les autres hommes parce qu'il a peur d'être
d'être jugé. Là, ma peur d'être jugé du regard des autres. Ah, si je me comporte comme ça, comment les autres vont. Enfin, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc, toi, ce que Rabbi Hanan dit, c'est que tu dois avoir exactement la même peur pour Dieu. Pourquoi pour les hommes, tu as peur et avant de faire quelque chose, tu vérifies si on ne te regarde pas et si on te regarde, bah, tu vas t'éloigner un petit peu avant de le faire, alors que quand tu es tout seul, bah, il y a Dieu qui est avec toi. Mais pourtant, tu dis pas, ah, attends, peut-être que Dieu il me regarde, je vais attendre un petit peu. Non. Donc c'est ça, pour avoir la crainte de Dieu, il faut avoir la même crainte qu'on a du regard des autres, mais par rapport à Dieu. C'est-à-dire que moi, même quand tu es tout seul, ne te permet pas de faire des trucs parce que je dis, ah, je suis tout seul, personne ne me voit. Non, il y a toujours quelqu'un qui te voit, il y a toujours quelqu'un qui te voit. Mais parce qu'on ne se rend pas compte, c'est parce qu'on ne donne pas à Dieu une réalité. Pour nous, Dieu, c'est une idée abstraite qu'on enseigne depuis qu'on est petit. Il y a quelqu'un qui a créé le monde, Bereshit, Bara Elokim et tout ça. Et pour nous, c'est une réalité abstraite, Dieu. Donc, il faut donner à Dieu vraiment une réalité concrète. Il faut vraiment comprendre c'est quoi que Dieu existe. Il y a écrit que une histoire avec Baba Salé qui avait qui enfin qui il avait rencontré, je sais plus si la personne était venue le voir ou s'il avait rencontré par hasard quelqu'un qui disait voilà moi je fais ces fautes-là donc voilà je trompe ma femme, je fais pas Shabbat et tout ça et Baba Salé lui avait dit, mais attends, t'as pas peur de lui là à côté? Alors le gars il se retourne, il voit qu'il y a personne à côté, il fait qui ça? Il fait bah lui là, celui qui est à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Baba Salé, il était capable, comme tous les grands de toute l'histoire du peuple juif, de se rendre compte, de donner une réalité à Dieu, de dire que Dieu existe. C'est ça, vraiment que pour lui, Baba Salé, bah, il y avait Dieu qui était à côté en permanence. Donc il se dit, mais comment cette personne-là, elle peut faire des fautes alors qu'il y a tout le temps quelqu'un en permanence? C'est ça la crainte de Dieu. C'est se rendre compte que Dieu, il est toujours là à côté. Et par exemple, il y a des choses que, encore une fois, comme j'ai dit, que tu ne ferais pas devant les hommes, par exemple. Des choses même que tu ne ferais pas devant tes parents. Il y a plein de jeunes et même de moins jeunes hein, qui déjà ils sont un âge âgé, ils font des choses que devant leurs parents ils le feraient pas. Mais pourquoi tu le fais tout seul alors? T'as peur de tes parents mais t'as pas peur de Dieu? Quelqu'un qui va faire une faute, quelqu'un qui va, je sais pas, qui va faire une faute avec une femme avant le mariage et tout ça. S'il y a son rave ou même un, s'il y a un grand rave ou même juste son rave à lui qui est dans la chambre au moment où il fait l'acte, il va pas dire ah, je vais continuer à faire l'acte, c'est sympa, tout ça. Non, il va avoir honte. Alors pourquoi on a honte des hommes et on n'a pas honte de Dieu? C'est ça la crainte de Dieu. C'est exactement avoir peur de Dieu. De la même façon que tu as peur du regard des autres, il faut que tu aies peur du regard de Dieu. Et pourquoi ça c'est le rave Ben Chitrin qui fait cette remarque aussi, pourquoi dans tout l'univers qui est tellement infini, qui est tout le temps en expansion et tout ça, il y a tellement de planètes, d'étoiles et tout ça, pourquoi il y a une seule planète qui est habitable, que jusqu'à maintenant, en tout cas, on a trouvé une seule planète où il y a de la vie, où il y a une société, les êtres humains et tout ça. Bah, c'est tout simplement parce que c'est pour que par les autres, tu vas apprendre c'est quoi la notion de Dieu. Par les autres, que voilà, par les autres, tu vas avoir peur du regard des autres. Alors c'est grâce à cette porte que tu vas avoir du regard des autres que tu vas avoir peur du regard de Dieu. Il y a le Hafetz Chaim qui ont dit que vers la fin de sa vie, tout le temps il écrivait, enfin tout le temps il était comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il avait Parkinson, c'est juste que le Hafetz Chaim il te dit que bah à chaque fois il écrivait en l'air de façon imaginaire le passage Shiviti Hashem l'Enegditami. Je place en permanence Dieu en face de moi. C'est exactement ça, c'est les grands sadikim qui étaient capables à tout le monde de se rendre compte que Dieu est en face d'eux. C'est ça la crainte de Dieu. Tu te rends compte qu'il y a tout le temps quelque chose qui est au-dessus de toi. C'est pour ça qu'il y a des grands sadikim. Voilà, j'ai une histoire, Rabbi Yosef Zonnenfeld, il te disait par exemple une fois on lui avait apporté, enfin il faisait très très chaud, il était déjà âgé, il commençait à transpirer, tout ça, on a vu qu'il n'était pas bien, on lui a apporté un verre d'eau, pose le verre d'eau et il le boit pas, il continue à transpirer, il fait chaud, il est au soleil, il est âgé, il le boit pas pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on voit qu'il est mal. Il va bientôt s'évanouir et ses élèves viennent le voir. Pourquoi vous buvez pas? On vous a mis un verre d'eau. Il dit, mais ce verre-là, je vois pas le nom de Dieu dessus. Il n'a pas été trempé au milieu, ce verre. Pourquoi on entend tellement des histoires de tzadikim qui voyaient des choses comme ça? Des gens qui voyaient sur la vie, enfin, ils voyaient une personne arriver, ils disaient, toi, tu fais pas Shabbat. Pourquoi des gens qui voyaient des choses tellement grandes? Parce que
C'est des gens qui étaient capables de donner une réalité à Dieu, que pour eux, ils voyaient Dieu partout. Vraiment, donner une réalité à Dieu comme si Dieu était assis à côté d'eux, entre guillemets. C'est pour ça que dans chaque chose, si le gars il voit un verre et qu'il ne voit pas Dieu dedans, c'est que le verre n'a pas été trempé au mikvé, c'est qu'il y a un problème dans le verre. Donc, quoi que. C'est exactement ça, c'est que Dieu, c'est pas juste une idée abstraite. D'accord, on n'a pas le droit de faire une représentation de Dieu et tout ça, mais Dieu, c'est pas une idée abstraite, une puissance, tout ça, la force de la nature. Non, Dieu, c'est pas une idée abstraite, Dieu, c'est une réalité. Et une fois que tu te rends compte que c'est une réalité, qu'il y a toujours cette réalité-là qui est au-dessus de toi, alors c'est là que tu auras atteint la crainte de Dieu. C'est exactement ça, c'est par exemple, voilà, je reprends encore l'exemple du couple. Quelqu'un qui va avoir. Qui va se préserver de fauter avec une autre femme, c'est parce qu'il va donner une dimension à sa propre femme. Si quelqu'un il ne considère pas sa femme, pour lui, sa femme, c'est bon, j'habite avec elle parce que voilà, on est mariés et que j'ai l'habitude. Bon, voilà, il va fauter, mais quelqu'un qui donne une dimension à sa femme, qui se rend compte en permanence de la femme qu'il a à côté de lui, alors là, il va pas venir à fauter. C'est exactement ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'on se crée tous des réalités. C'est-à-dire que chacun va se créer sa réalité, il va dire j'aime mes enfants, par exemple, j'aime mes enfants. Il y a rien qui prouve que tu aimes tes enfants. Si un jour ton gosse il se noie et que tu vas préférer prendre le risque de toi aussi te noyer, mais pour sauver ton gosse, c'est là que tu vas vraiment prouver dans un acte que tu aimes ton enfant. Donc on se crée tous des réalités de dire j'aime mon enfant, mais d'où tu le sais? C'est qu'un sentiment, c'est pas une réalité. Donc on se crée tous des réalités, mais en pensée. Et donc. C'est que par les actes que tu vas pouvoir prouver. Donc, si toi tu vas vouloir prouver, enfin vraiment créer une réalité que Dieu existe, ça va être par des actes, par pratiquer la Torah et les Mitzvot. C'est comme ça que tu vas pouvoir donner une réalité à Dieu, comme on a dit. Voilà, l'exemple de la kippa pour les garçons, c'est ça, c'est faire en sorte que toujours quelqu'un il ait une chose sur la tête qui sache qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Et que ce soit pour toujours, que ce soit pas juste une idée. Voilà, quelqu'un qui aime sa femme, le lendemain, il n'aime pas sa femme. Non, il faut donner une perpétuité à ça, une permanence à ça. Et c'est que comme ça que tu pourras être, enfin, tu pourras être maître de toi-même. Parce que quand les gens qui pensent être maîtres d'eux-mêmes parce qu'ils obéissent à aucun ordre, ils sont juste poussés par leurs pulsions. Donc ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ils sont soumis à leurs pulsions. Donc il n'y a que quand toi tu vas faire quelque chose qui est entièrement pour toi et qui va t'apporter que du bien que là tu pourras dire je suis maître de moi-même. Donc quand toi tu vas te soumettre à la Torah, te soumettre à Dieu, pratiquer toute la Torah et les Mitzvot, c'est là que tu pourras dire je suis maître de moi-même parce que je fais quelque chose uniquement pour mon bien. Et donc comme on a dit, les trois étapes, c'est par la peur de la punition que tu vas arriver. À la peur de ne pas casser le processus, de faire les choses bien, donc la ira tachet, mais il faut pas que tu t'arrêtes là, il faut que ce soit pour en venir à la ira taroumemout, pour arriver au fait de je ne veux pas décevoir, je ne veux pas perdre tout ce à quoi j'ai, enfin tout ce que j'ai bâti quoi. C'est pourquoi que le mot ira, la crainte en hébreu, ça. Il ressemble et il est pareil même que le mot le fait de voir entre guillemets parce que les gens ils disent moi je crois que ce que je vois mais en fait c'est l'inverse tu dois voir que ce que tu enfin tu dois voir ce que tu crois c'est-à-dire toi tu crois en Dieu c'est-à-dire si vraiment tu crois en Dieu tu dois comme on a dit voir Dieu partout comprendre que Dieu est partout c'est exactement ça quand Yosef il a failli fauter en Égypte avec la femme de Potiphar et tout ça. On dit qu'il a vu l'image de son père tout d'un coup et que c'est ça qui l'a empêché de fauter. C'est quoi, il a vu l'image de son père? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que vraiment il a eu une vision, l'image de son père, comme ça à travers une fenêtre, et que c'est comme ça il a vu la tête de son père et ça l'a retenu de fauter. Il y en a qui disent il est rentré dans le lit, du coup il allait s'apprêter à fauter. Le temps qu'elle arrive, il y avait un miroir en haut et il a vu sa tête en fait, et comme il ressemblait beaucoup à son père, bah, il a cru voir son père dans le miroir, et là il s'est levé, il a dit je peux pas faire cette faute-là. Mais une éducation un peu plus profonde, enfin une explication un peu plus profonde, c'est simplement que il y a l'éducation de son père qui lui est remontée. C'est exactement ça, l'éducation de son père lui est remontée, et à ce moment-là, il s'est rappelé qu'il y a Dieu partout, et qu'il ne pouvait pas faire cette faute-là. Et que si quelque chose ne ressort pas dans ces moments cruciaux, c'est que c'est pas vraiment toi. Si quelqu'un, lorsqu'il va s'apprêter à fauter avec une femme, il n'a pas en tête l'image de sa femme avec qui il est marié, avec qui il a passé tant de moments et de ses enfants, c'est que vraiment ça n'a jamais été en lui, que tout ça c'était un mariage superficiel.
Donc, si ça ressort pas, c'est que c'est pas en toi. Donc, c'est exactement ça. C'est faire entrer en soi la crainte de Dieu, et vraiment à partir de là, tu vas le voir partout. Si toi, t'arrives pas à voir Dieu partout, c'est que t'as pas encore atteint totalement la crainte de Dieu. Alors, Ben Tchétrine, encore une fois, je dis, il te dit que toi, t'es le papier et que la Torah, c'est l'encre. C'est-à-dire que quand tu veux imprimer un truc, bah, si t'as de l'encre mais t'as pas de papier, bah, y a rien qui va s'imprimer. Donc, si toi, tu fais de la Torah et tout ça, enfin, si tu as la crainte de Dieu, mais que tu fais pas les actes, tu ne mets pas ton corps au service de ça, il n'y a rien qui va s'imprimer. Si tu as le papier, mais que tu n'as pas l'encre, il y a une feuille blanche qui va sortir. Donc si toi, tu fais les actes, tout ça, mais que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu dis, tu fais les mitzvot parce que tu es habitué, mais pas parce que tu as peur de Dieu, tu as la crainte de Dieu, alors ça sert à rien, tu seras comme une feuille blanche. Et voilà. Si on n'a pas perçu Dieu ici, alors comment on va le percevoir là-bas? Il y en a qui pensent que dans le monde futur, que ce soit le monde futur après 120 ans, c'est-à-dire on va décéder après 120 ans, ou que ce soit le monde futur après la venue du Mashiach, que ça va être un déclic d'un jour à l'autre. Pendant toute sa vie, le gars, il n'a jamais perçu Dieu. Et que dès qu'il va décéder, qu'il va arriver en haut, il va percevoir Dieu. Ou alors dès que Mashiach va arriver, d'un jour à l'autre, oh, je perçois Dieu. Non, si tu ne l'as pas perçu ici, tu ne le percevras pas là-bas. Si toi, tu ne fais pas les efforts pour le percevoir ici, évidemment qu'après, il y aura un dévoilement plus grand de Dieu, mais il faut faire les efforts, le minimum de chercher de le percevoir dans ce monde-là, que tu puisses comprendre une fois que tu arrives, c'est qui? Enfin, tu te tiens devant qui? Donc voilà, je pense que j'espère qu'on a compris c'est quoi l'importance et la gravité d'avoir la crainte de Dieu. Et on va finir très très rapidement sur quelques petites paroles pour comprendre c'est quoi, à quoi ça peut qu'est-ce que ça peut t'apporter, la crainte de Dieu. C'est que quand quelqu'un il fait les choses par amour, il fait aussi un petit peu pour son kiff. Inconsciemment, quelqu'un par exemple, un commandement positif, tu dois faire trois repas à Shabbat. Quelqu'un qui va faire trois repas à Shabbat, d'accord, il peut se dire je fais ça pour faire la mitzvah de faire trois repas à Shabbat, ok. Mais au fond de lui, il va se faire kiffer quand même. Il va dire ah, j'ai fait un bon plat de ça, j'ai fait un bon couscous, une bonne dafina. Ça va être un petit peu pour lui aussi. Alors que dans les choses qui t'amènent à la crainte de Dieu, c'est que des privations, des sacrifices, on pourrait appeler ça. Alors là, c'est sûr que c'est que pour Dieu. C'est ça la récompense qui est énorme. De quelqu'un qui va travailler et qui va faire les choses, qui va faire en sorte d'avoir la crainte de Dieu, qui va servir Dieu par crainte aussi, c'est que tu es sûr qu'il fait ça uniquement pour Dieu, pas pour son kiff personnel, parce qu'il n'a aucun kiff de base. Et quelqu'un qui a la crainte de Dieu, déjà, il va être plus strict sur les mitzvot. Quelqu'un qui a que l'amour de Dieu, bon, bah, s'il transgresse un commandement, il va dire, bon, bah, c'est pas grave, Dieu me pardonnera, c'est mon papa du ciel et tout ça. Non, mais. Il faut la crainte aussi. Parce que quelqu'un qui a la crainte avant de faire une faute, bah, ah, je vais pas faire ça, attends, je vais réfléchir, je vais pas faire cette faute-là. Donc tu seras plus strict sur les mitzvot. Donc ça pourra, si tu réussis à travailler vraiment sur ta crainte de Dieu, grâce à tout ce qu'on a dit depuis le début du cours, bah, ça va t'empêcher de commettre pas mal de mauvaises actions. Et tu vas être plus strict même sur les détails des mitzvot. Quelqu'un qui fait des mitzvot parce qu'il a l'habitude, il sait qu'il y a quelques petits détails, mais il fait pas attention, il fait bon, au moins je fais la mitzvah en gros, quoi. Mais quelqu'un qui a vraiment la crainte de Dieu. Alors, les moindres détails, il va pas dire, bon, bah, je fais la mitzvah en gros. Non, vu qu'il a la crainte de Dieu, les moindres détails, il va essayer d'accomplir la mitzvah comme il faut dans ses moindres détails. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à comprendre c'est quoi la crainte de Dieu et qu'on va tous réussir à se renforcer dans ça, d'avoir vraiment la crainte du ciel. Et par ce mérite-là qu'on a la crainte du ciel, Dieu nous envoie.